Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du groupe Pack Facile. Aujourd'hui, toujours dans le cadre des figures de style, nous allons voir un autre type de figures de style, à savoir les figures d'opposition. Donc, comme son nom l'indique, les figures d'opposition sont des figures de style dans lesquelles on exprime une opposition entre deux termes. C'est-à-dire, vous avez un terme et on a un autre terme qui est opposé à ce terme, c'est-à-dire le contraire. Donc, qui est son contraire ou bien qui est en relation contradictoire avec le deuxième terme. Donc, ça, c'est concernant les figures d'opposition. Donc, nous allons voir l'antithèse, puis l'oxymore dans cette séance ou bien dans cette vidéo. Puis, dans une prochaine vidéo, nous allons voir d'autres types, à savoir l'antiphrase et le chiasme. Donc, on va commencer par l'antithèse. Donc, quand je dis l'antithèse, c'est une figure de style dans laquelle on cherche à opposer deux termes dans un même énoncé. Quand je dis dans un même énoncé, c'est-à-dire dans une même phrase ou bien dans un même paragraphe. Par exemple, ici, c'était le paradis, ailleurs, l'enfer. Ici, c'était le paradis, ailleurs, l'enfer. D'abord, donc, vous avez deux termes, ou bien deux mots. Quand je dis deux termes, c'est-à-dire deux mots. Vous voyez? Donc, deux mots qui ont un sens opposé, ou bien contraire. Donc, vous avez ici le paradis, puis l'enfer. Donc, si vous prenez le paradis et l'enfer, vous allez trouver que entre ces deux termes ou bien ces deux mots, il y a une relation d'opposition. Ça y est. Donc, on passe à l'exemple 2. Tu as choisi la vie et moi la mort. Donc, la même chose ici, on a tu as choisi la vie et moi la mort. Vous avez le mot vie, la vie, et vous avez la mort. Donc, automatiquement, la relation qui existe entre les deux termes, c'est une relation d'opposition. Ça y est. Donc, comme vous voyez ici, la vie et la mort. Donc, automatiquement, dans cette phrase, on a une antithèse, comme dans l'exemple numéro 1. Ici, c'était le paradis, ailleurs, l'enfer. Donc, c'est aussi une antithèse. Donc, quand je dis antithèse, donc c'est une figure de style dans laquelle on cherche à opposer deux termes, deux mots qui ont un sens contradictoire ou bien un sens opposé. Donc maintenant, on va passer à l'oxymore. L'oxymore, c'est le fait de faire l'alliance ou bien consiste à faire la juxtaposition de deux termes de sens opposé. Donc, vous avez deux termes de sens opposé mais qui sont liés, ça y est, ou bien juxtaposés, l'un de côté l'autre. Donc c'est ici qu'on parle de l'oxymore. Par exemple, entrez, ne plaignez pas ma riche pauvreté. Entrez, ne plaignez pas ma riche pauvreté. Vous avez riche et vous avez pauvreté. Donc deux termes, deux mots qui ont un sens opposé, mais qui sont déjà liés. Donc l'un de côté l'autre. Donc vous avez riche et vous avez pauvreté. Les deux termes, les deux mots sont liés, d'accord, l'un de côté l'autre. Donc ici, on parle de quoi? De l'oxymore. Deuxième exemple, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Donc vous avez tout d'abord obscur, puis vous avez clarté. Donc quand je dis obscur, c'est quelque chose de noir, puis clarté, c'est quelque chose de clair, ça y est, de lumineux. Donc ici vous avez obscur et clarté, donc deux termes opposés, ou bien deux mots opposés, mais l'un de côté l'autre. Ils ne sont pas séparés par un autre mot ou bien une phrase, etc. Donc, la différence entre l'antithèse et l'oxymore, c'est que dans
L'antithèse, il y a deux termes, deux mots, donc qui ont une relation d'opposition, mais qui sont séparés déjà par un mot, comme ici vous avez ailleurs, ou bien une virgule, etc. Ou bien, comme vous voyez ici, et moi. Ça y est. Donc, toujours, les deux mots sont séparés par un élément, que ce soit un mot, deux mots, ou bien une phrase, ou bien une virgule, ou bien un signe de ponctuation, etc. Donc, pour ce qui concerne l'oxymore, les deux termes sont déjà liés, l'un de côté, l'autre. Donc, ça, c'est la seule différence entre l'oxymore et l'antithèse.